Pour la première fois, je vais vous parler d'un roman sur lequel je n'ai pas accroché. Mais à contrario, je vais vous parler d'un bouquin que j'ai lu il y a plusieurs années et qui, lui, m'avait vraiment, vraiment marqué. On commence par le bouquin qui m'a pas trop plu, Le tueur hypocondriaque de Juan Jacinto Núñez Reynuel, Rengel, je sais pas si je me trompe, aux éditions Pocket. L'idée était intéressante. De prendre un tueur à gages hypocondriaque qui s'imagine toujours qu'il va mourir avec toutes les maladies possibles, et il en a certaines. En même temps, il y a des mises en relation avec des personnages très connus qui ont subi justement aussi, qui étaient aussi hypocondriaques. L'histoire est vraiment intéressante, et jusqu'à certains points, j'ai suivi, j'ai accroché, j'ai adhéré. Et puis, à mi-parcours, je me suis retrouvé un peu essoufflé et j'ai tourné en rond. Et du coup, ça fait pchit. À partir de là, c'était terminé parce que je disais, mais c'était la lutte à chaque fois. Donc voilà, je n'ai pas accroché, mais comme je l'ai précisé sur Facebook, hein, j'en parle, mais c'est pas pour autant que d'autres vont pas aimer. Hein. Je crois que ce livre avait reçu de très bonnes critiques d'autres lecteurs, donc il n'y a pas de souci, c'est juste que moi, je sais que j'ai pas accroché. Donc maintenant, je vous parle du roman que j'ai adoré et qui m'a marqué à l'époque. A contrario, je vais vous parler de ce livre-là, Le Déshonneur d'Anne Campbell de Nelson 2000, aux éditions Pocket. Un roman très 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 bon qui se lit au pas de charge, littéralement, même si ça se passe dans l'armée, c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment un roman que j'ai terminé moi en haletant. C'est réellement, j'ai couru tout le long de la lecture parce que il y avait un sentiment d'être pressé par cette enquête en sachant que plus l'enquêteur avançait, plus la porte se fermait pour savoir qui avait fait quoi et surtout c'était tellement le bazar que voilà, il y avait des indices de partout. Plein de personnes qui auraient pu lui faire du mal. À la fin, et on est complètement pris par l'intrigue. Ils en ont fait un film avec John Travolta, que c'est. Même si c'est un immense acteur, John Travolta n'avait rien à faire dans une histoire comme ça. C'est pas le personnage. Par rapport au livre, ça le fait pas. Le livre est bon, le film très moyen. Anne Campbell, c'est le visage de l'armée, belle, énergique, les pancartes de l'armée, ça permet aussi d'embaucher un petit peu, c'est pas plus mal. Et c'est la fille du général Campbell. Et un matin, on la retrouve écartelée, littéralement, écartée avec des cordes, des piquets, sans chantier, nue, violée. Et l'enquêteur de l'armée, Paul Brenner, arrive sur place. Il sent qu'il va devoir aller très vite, parce que le général Campbell est très haut placé, que ça remue de partout. Et en enquêtant, il se rend très vite compte aussi que les autres officiers autour avait quand même des raisons d'en vouloir à Elisabeth Campbell. Son leitmotiv à elle, c'était mon boulot, c'est de mettre le bazar dans votre tête. Elle travaillait pour l'unité psychologique de l'armée, et donc bah, elle a mis le bazar un peu partout. En vient quand son père, forcément, tout plus compliqué. Une enquête incroyable, un rythme hyper soutenu, du début à la fin. J'ai adoré ce livre. Je crois que c'est son plus gros succès libraire. Réellement, lisez-le. Vous allez le dévorer. En même temps, ça permet de voir un peu comment fonctionne l'armée américaine. La Grande Muette, je dirais que c'est un peu comme chez nous. Mais là, il y a vraiment un côté très pressé que l'auteur a réussi à retranscrire dans ses mots. Une écriture très rythmée, très vive. On suit pas à pas cet enquêteur. Et réellement, allez-y, lisez-le. Vous ne serez pas déçus. Donc, likez, commentez, partagez, lisez-le. On pourra en parler. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous. Mangez des chouquettes, à bientôt, bonne lecture, au revoir.